Alors, je suis Virginie Lamoureux, je suis coordinatrice du DAPE et chargée de relations entreprises. Alors, le DAPE, c'est un dispositif d'accompagnement et de placement en emploi qui accompagne les bénéficiaires du RSA pour un retour à l'emploi, pour une aide à la mobilisation. Voilà, donc on accompagne les bénéficiaires, on travaille leur CV, leurs compétences, on travaille la confiance en eux, on fait des simulations d'entretien et l'objectif, c'est de trouver un emploi dans la foulée. Donc, j'ai accompagné M. Casanova sur la mise en relation avec M. Maréchal pour l'autre fois. Voilà, il y avait une offre de cuisinier. Bonjour, je m'appelle Sébastien Casanova, j'ai 41 ans, je suis chef de partie aux entrées à l'autre fois, restaurant salon et restaurant Aix. Le rôle de Virginie m'a aidé à trouver ce poste. En fait, j'avais des rendez-vous, ils m'ont aidé à faire mon CV, à me présenter, à répondre à un entretien d'embauche et ça m'a beaucoup aidé en fait. Ah oui, c'était vraiment positif, j'avais jamais fait ça avant et ça a débouché sur un CDI. Ça fait bientôt un an que je suis à l'autre fois, je m'épanouis, je suis vraiment heureux ici et j'espère rester encore longtemps. Mes objectifs, c'est de rendre l'expérience avec mes chefs, j'apprends beaucoup avec eux. Le message que je leur fais passer, c'est s'ils sont motivés à trouver un emploi, qu'ils n'hésitent pas à faire appel au DAPE parce que c'est vraiment une aide. Ça m'a pas pris longtemps, je pense en 2-3 mois j'ai trouvé. Ils m'ont fait des entretiens, c'était clé en main en fait. Et du coup, moi j'ai juste eu à aller à ces entretiens au DAPE et ensuite aller aux entretiens d'embauche. J'avais deux choix avant de rentrer à l'autre fois et du coup, quand j'ai parlé avec les chefs, c'est ici que j'ai préféré venir. Bonjour, Olivier Maréchal. Il y a 5 ans, j'ai créé un concept de buffet français fait maison. Donc à peu près, on a 25 plats. Au mois de juin, on aura l'anniversaire des 5 ans. Alors, ça a été un rôle d'accompagnement qui était important. Justement, dans ce secteur en pénurie, on a eu un candidat qui a été présenté. On s'est conforté sur la personne. Alors, il y a eu un suivi notamment du DAPE et aussi, nous l'avons accompagné. C'est important parce qu'on a un encadrement supplémentaire par rapport à une personne qu'on pourrait lâcher très vite. Alors, l'aide à l'embauche, justement, par rapport à tout ce que je viens de dire, est importante parce que on doit la former, on passe du temps, on passe de l'énergie, on sait que cette formation a un coût et donc ça nous aide à prendre un peu plus de risques et en tout cas à prendre quelqu'un qui a besoin de cette formation et nous allons mettre un peu plus d'énergie pour qu'elle soit opérationnelle. Donc cette aide financière nous incite à utiliser ce support.